Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors je vous prouve que je suis bien sur la version chapitre 3 saison 1, regardez je suis sur PS5 et le glitch fonctionne, donc c'est pour vous prouver que c'est pas du fake. Alors ensuite ce que vous allez faire c'est vous allez vous rendre dans le mode créatif, ensuite à côté gauche donc juste ici, vous allez entrer le code que je vais vous dire sur la console de gauche, vous allez rentrer le code 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 et 8. Ensuite vous acceptez et vous validez. Maintenant sur la console de droite vous allez rentrer le code 9 8 4 2 8 1 4 2 3 7 5 8. Voilà. Ensuite vous acceptez et vous validez. Alors ensuite vous allez rentrer dans la première map, donc la map de gauche, donc la map God Mode. Le jeu va se lancer directement, automatiquement, c'est totalement normal. Là ensuite ce que vous faites c'est que vous allez prendre les carré piégé et ensuite vous allez prendre des pièces qui sont juste ici et ensuite vous allez prendre la faille God Mode. Donc quand vous aurez pris cette faille vous allez réapparaître dans l'accueil du menu créatif et vous allez pouvoir voler grâce à ce glitch, vous allez pouvoir voler dans le mode créatif. Donc regardez, là je spawn dans le mode créatif dans l'accueil et là j'appuie deux fois sur X et je peux voler. Donc ensuite vous allez tout simplement vous diriger vers cette map qui est juste devant moi, mais vous allez monter et vous diriger tout le temps tout droit pour aller jusqu'à l'île. Donc là regardez, je suis bloqué avec un mur orange invisible. Donc ce que je fais c'est que je monte pour pouvoir passer au-dessus du mur qui me bloquait. Donc là je peux apercevoir en haut à droite de ma carte que je continue à avancer, donc j'ai suffisamment monté pour passer au-dessus du mur orange. Donc ensuite quand c'est fait, vous continuez à avancer tout le temps, tout droit. Essayez de vous prendre des repères grâce aux îles autour. Et là, vous allez rejoindre l'île qui est juste ici. Donc là, vous vous dirigez vers la faille que vous voyez dans le gameplay. Et vous allez vous placer au-dessus de cette faille, comme je suis en train de le faire. Et vous allez placer un ping juste ici, exactement là où je le place. Ensuite, vous allez passer dans la faille. Voilà. Et là, vous allez rejoindre le ping que vous avez placé. Ensuite, vous appuyez deux fois sur X pour arrêter de voler. Là, vous appuyez sur rond pour placer et carré pour placer un piège. Donc, vous faites une deuxième fois carré pour placer le piège. Donc là, je l'ai bien placé parce que le piège s'affiche en orange. Ensuite, vous faites rond, vous faites deux fois X pour voler. Et vous dirigez vers de l'autre côté du mur. Quand vous êtes de l'autre côté du mur, ce que vous allez faire, c'est placer un sol. Donc, boum. Je me suis trompé, le sol c'est R1, voilà. Ensuite vous allez placer un escalier, voilà, comme ceci, ouais, vraiment collé au mur. Et là vous allez placer des sols jusqu'à la limite orange, donc avec la limite du mur invisible orange. Mais ne passez pas la limite, hein. Restez bien de ce côté-ci. Donc là ce que vous allez faire c'est surtout ne pas danser ici, mais vous allez danser sur le deuxième sol qui est à côté du mur orange. Donc là vous dansez. Et ça va vous faire spawn des pièces et des pièges en illimité. Quand ceci est fait, vous allez appuyer sur option pour réapparaître. Vous appliquez. Donc là, je vais réapparaître. Quand vous êtes réapparu, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option et vous allez cliquer sur lancer le jeu. Donc là, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu est lancé, vous allez vous diriger vers votre ping. Voilà, et là, ça va casser le mur. Si vous avez bien fait les choses correctement, ça va casser le mur. Quand le mur est cassé, vous allez chercher des splashs. Voilà, comme ceci. Hop, vous en prenez. Vous équipez des splashs. Et là, vous allez passer hors des limites. Et à chaque fois, parce qu'en fait, vous êtes ralenti. Donc à chaque fois, vous allez lancer vos splashs pour ne pas perdre votre vie. De toute façon, vous en avez en illimité. Donc vous lancez les splashs. Vous récupérez les pièces. Ensuite, vous faites demi-tour. Et vous retournez dans la map. Donc lancez bien des pièces, les splashs pour pas mourir. Voilà. Donc là, vous rentrez dans la zone. Parfait. Et ensuite, quand c'est fait, vous allez vous diriger vers le Buy XP for Everyone. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appuyer sur carré
pour récolter des XP. Donc là, regardez, j'ai gagné 3200 XP. Donc là, j'ai appuyé encore carré. Je sais pas si je maintiens carré, ça achète tout le temps en illimité. Non, ça n'achète pas en illimité. Mais vous allez devoir spam carré, 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 carré. Et vous allez gagner des XP en illimité très facilement et très rapidement. Donc là, grâce à ce glitch, vous pouvez gagner 100 000 XP par minute super rapidement. Donc bien entendu, des personnes vont gagner plus facilement des XP, ils vont en gagner beaucoup plus que d'autres personnes. Les XP sont complètement aléatoires sur Fortnite dans le mode créatif. Donc des personnes vont gagner beaucoup d'XP, d'autres vont en gagner moins. Mais ça reste très 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 rentable. Et c'est possible aussi qu'à force de faire le glitch, vous gagnez de moins en moins d'XP. Donc là par exemple, j'ai gagné 50 000 XP en 30 secondes à peine. Quand je rappuie, regardez, au début j'étais à 3000, là je suis redescendu à 2000. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapCoolMec et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb